Flaouen, bonsoir. Imaginez un pays. Oubliez l'Algérie. Faites comme si nous parlions d'un pays situé quelque part très loin. Imaginez. Un pays qui a subi, au cours de toute son histoire, mille et une invasions, qui a connu tant de tragiques vicissitudes, dont les habitants ont toujours été occupés, spoliés, réduits en esclavage, exterminés par masses entières, parce que leur pays était trop riche, qu'il suscitait trop de cupidité, et surtout parce qu'ils étaient trop désunis. Comme aujourd'hui. Imaginez que ces habitants n'ont pu se libérer du dernier envahisseur en date, qui les a occupés près d'un siècle et demi, qu'en faisant le sacrifice d'un million et demi des leurs, presque la moitié de la population adulte de l'époque, la moitié de la population active d'avant l'indépendance, qui était d'un peu plus de 3 millions. Imaginez. Imaginez que l'indépendance de ce pays ait été volée par des gens embusqués dans les flancs de la révolution même, qui ont réussi à tromper le peuple, à lui faire croire qu'ils étaient des siens, et qui pourtant confisquèrent le pays comme le ferait une bande de malfaiteurs d'une propriété sur laquelle ils auraient fait main basse. Imaginez que tout naturellement, c'est la force, donc l'armée, censée être au service de ce même peuple, qui s'empara du pouvoir, en faisant en sorte néanmoins de faire comme si c'était le peuple qui présidait à ses propres destinées. Il suffisait juste de lui désigner qui les nouveaux maîtres galonnés lui avaient choisis, en faisant comme s'il les avait vraiment élus. Et ce fut ainsi du premier jour de l'indépendance à aujourd'hui, dans ce pays lointain, imaginaire. Le pouvoir fut toujours l'affaire de ceux qui détenaient la force armée. Quand le peuple décida un jour de sortir de cette logique vicieuse et de choisir ses propres représentants, les maîtres décidèrent de l'en empêcher et de le tuer par centaines de milliers, de reproduire sur lui les méthodes du colonialisme, du carnage de masse, de l'exécution sommaire, de l'enlèvement, de la séquestration, de la torture, et même du viol, en n'oubliant pas toutefois de se faire passer pour des sauveurs de la République, des serviteurs honorables de l'État. C'est ainsi que cela se passa dans ce malheureux pays, ce pays lointain aux antipodes de la normalité. Puis, un jour, il fut décidé de désigner un nouveau président, après tant d'autres, un énième président, et de le faire élire par les électeurs qui voulaient bien se rendre au bureau de vote. On truqua les bulletins et on compensa l'abstention, la grande, grande, grande abstention, par un grand, grand, grand bourrage des urnes. La baraka fut au rendez-vous néanmoins. Ce président eut la chance, dès qu'il débarqua, de recevoir une pluie d'argent, une richesse jamais espérée. Et comme il était très malin, il entreprit de devenir non plus une simple façade pour les vrais maîtres, mais un vrai chef, pas un président, mais un vrai boss, jusqu'à se considérer comme l'émanation même du pays qu'il avait désormais sous sa babouche. Et il défia les généraux de se mettre sur son chemin, s'il l'osait seulement. Regardez. Je suis le représentant du peuple algérien. Et aucune institution de la République, fût-elle l'armée nationale populaire, ne peut faire une bouchée de moi. Mais je suis l'Algérie tout entière. Je suis l'incarnation du peuple algérien. Alors dites aux généraux de me bouffer s'ils peuvent le faire. Ah, je crois que les dés ne sont plus pipés. Maintenant, vous savez que c'est le pays très très lointain. Ça s'appelle l'Algérie. Enfin, c'est contre-temps. Ce président prodige avait réussi à noyer la douzaine de généraux qui régnaient sur le pays quand il arriva.
il décida de les noyer sous le flot de centaines d'autres qu'il avait nommés à tour de bras et qu'il avait grassement dotés. Et ainsi, il fit un deuxième, puis un troisième mandat. Il s'était servi de la manne qui lui était tombée dans l'escarcelle pour corrompre non pas seulement tous les cercles concentriques du pouvoir, mais de très larges couches de la société, se ménageant ainsi des millions d'alliés naturels. Il était devenu le papa gâteau de la nation, celui qui enrichissait des millions de gens, qui avait créé des centaines de millionnaires en dollars. Mais la maladie allait s'engouffrer dans l'aventure. En 2005, il eut une première attaque très sérieuse et qui était un AVC, non pas ce qu'on nous avait raconté à l'époque. Ses facultés intellectuelles ne furent pas très atteintes cependant, mais il n'était plus aussi présent. Et comme il est du genre parrain, il délégua le gros du travail à son jeune frère et néanmoins son conseiller officiel. C'est à partir de ce moment-là que ce jeune frère pris en main progressivement les affaires de l'État, à partir de 2005. Le président en titre ne venait presque plus à la présidence. Il était presque tout le temps alité, dans une sorte de convalescence qui s'éternisait. Le frère cadet devenait chaque jour plus puissant, encore que le président en titre restait relativement présent. Les deux frères entreprirent de changer la Constitution dans une parodie de révision qui fut qualifié de viol par l'ensemble des observateurs. C'était pour permettre de le faire élire un troisième mandat. Et c'est ce qui fut réalisé. Ce troisième mandat fut assumé presque en totalité par le frère du président, qui a fini tout bonnement par occuper le bureau présidentiel. À un certain moment, il travaillait à côté, puis il l'a carrément occupé. Et c'était là où il imitait la signature de son frère pour signer les décrets présidentiel. Il faut dire qu'il avait réussi à se rallier l'aide subreptice d'une puissance étrangère désormais tutélaire et qui avait fini par se frayer un chemin jusqu'au tableau de bord. Avant que le troisième mandat ne fût arrivé à sa fin, Farhamatouhou, le président déjà impotent, fut foudroyé par une autre attaque, une très forte attaque cérébrale. Cette fois-ci, il fut très lourdement affecté. Il était réduit à l'état de légume. Il avait perdu la quasi-totalité de ses capacités intellectuelles. Il n'était même plus capable de réciter la table de multiplication de 1. Pourtant, il fut décidé, pour des raisons encore obscures aujourd'hui, de le faire rempiler un quatrième mandat. Alors que le régime aurait très bien pu s'offrir un autre candidat de façade, ce qui ne manquait pas du tout, comme cela se pratiquait d'habitude. Mais quelque chose avait changé. Le nouveau maître des lieux, le frère du président, appuyé par un paquet d'une soixantaine de généraux du haut commandement et de la majorité des nouveaux oligarques, des nouveaux milliardaires qui s'étaient engouffrés dans les cercles périphériques du pouvoir, savait que s'il désignait quelqu'un d'autre, il serait tout aussitôt évacué. Il ne pouvait exister qu'à l'ombre de son frère. Il décida alors, et avec lui la puissance tutélaire qui avait fait de lui l'homme puissant qu'il était devenu, que le président sortant serait reconduit malgré son état. Et l'inimaginable se produisit. Un président sortant dans l'incapacité la plus totale et qui aurait dû être constitutionnellement évacué, destitué avant même la fin de son troisième mandat, se présenta, ou plutôt il fut présenté en son absence, puisqu'il ne prononça pas une seule parole d'intention, ni ne fit le plus petit discours, ni n'assista de la plus petite façon à sa propre campagne électorale. Là aussi, il fut réélu, haut la main. Un président qui entre un coma artificiel pour le maintenir et une hospitalisation dans des établissements français pour le rétablir, recevait
pendant quelques secondes des personnalités politiques étrangères qui venaient nous jurer la main sur le cœur que jamais ils n'avaient vu un chef d'État aussi sage ni aussi alacre, aussi au fait des affaires du monde et avec lequel ils avaient parlé pendant des heures. Sauf qu'ils ne nous expliquaient pas pourquoi ils n'avaient pas adressé une seule parole à son peuple pendant des années, même pendant des événements tragiques. Ils ne parlaient plus que par messages écrits, dont on dit qu'ils étaient rédigés et signés par son frère, de la même manière que sont signés les décrets qui lui sont attribués. Aujourd'hui, la coupe semble être pleine. Les voix des gens qui hurlaient à la prise d'otage du président et de l'institution présidentielle semblent enfin avoir réveillé une certaine classe politique. 19 personnalités, dont des clients du régime aussi, mais aussi d'authentiques militants, des révolutionnaires de la première heure, montent au créneau. Ils viennent d'écrire une lettre ouverte au président dans laquelle, après avoir rendu un vibrant hommage à ses interminables vertus, demande à le rencontrer pour s'assurer que c'est bien lui qui est à la barre. Pourtant, parmi eux, d'anciens ministres qui connaissaient son état, qui le connaissaient très bien et qui n'avaient rien dit quand ils étaient aux affaires. Pourquoi alors cette montée au créneau? On se demande. C'est en tout cas un signe que quelque chose bouge, un tournant qui annonce des bouleversements décisifs sur la suite des événements. En tous les cas, quelque chose de grave semble agiter le sérail. Aujourd'hui. Liberté. 19 personnalités demandent une audience au chef de l'État pour s'assurer de ses capacités. Monsieur le Président, montrez-nous que vous gouvernez. Par MM. TSA, l'entourage du président de plus en plus contesté. Par Riyad Hamadi. Elle Huffington Post. Jugeant la situation du pays dangereuse, 19 personnalités demandent audience à Bouteflika pour en avoir le cœur net. Avant de recevoir nos invités, nous allons écouter une de ces 19 personnalités qui a donné une conférence de presse où elle s'est adressée. Nous allons l'entendre par la voix. Nous n'avons pas été autorisés à transmettre, à vous diffuser les images qui ont été filmées par d'autres chaînes de télévision. ونعرفوا حتى مقدساته السياسيه بالنسبه لبلادنا وشعبنا. فنتساءل بالنسبه لبعض القرارات التي اتخذت ولا تشبه فخامه الرئيس. فلكي نتحقق نحن مواطنات ومواطنين نطلب ملاقات فخامة الرئيس نطالبوا يقابلنا نقولوا له الانشغالات ديالنا الخطيرة عشان نهضروا على الانشغالات تاع كل يوم ونضحكوا هل فخامة الرئيس على علم دو مون بوين دو فيو لا بلو غراف دو توت parce qu'elle a des implications. Les gens croient qu'elle n'a que des implications économiques. Elle a des implications politiques très très graves. C'est l'abandon du droit de préemption. Moi, je connais le président Bouteflika qui a défendu et toujours le droit de préemption en disant que c'est une chose sacrée, le droit de préemption de l'État. Qu'on le remette en cause, ça, ce n'est pas le président Bouteflika que, en tout cas, moi, j'ai connu, que j'ai eu l'honneur de connaître en tant que ministre travaillant sous son autorité, sa direction. Et en appliquant son programme. Donc l'abandon du droit de préemption, ce n'est pas le programme de M. Abdelaziz Bouteflika. Alors aujourd'hui avec nous,
Mohamed Benchikou, journaliste, écrivain, directeur du journal Le Matin. Nous disons toujours directeur du journal Le Matin, même s'il a été fermé de façon abusive. Par solidarité, nous dirons toujours directeur du journal Le Matin. Boujemaa Rechir, avocat et militant des droits de l'homme, l'un des 19 personnalités qui ont signé cet appel, cette lettre à Bouteflika. Et nous avons décidé d'appeler aujourd'hui trois blogueurs très connus, très actifs sur les réseaux sociaux, qui sont très respectés, très suivis. Il s'agit de Samir Belatesh, très connu sous le pseudonyme de Chicha, Jamal Dahairi et Abdel Ghani Dorman. Alors, nous allons commencer par Mohamed Benchikou. Alors, on me dit que nous n'arrivons pas à joindre ni Mohamed Benchikou, ni Boujemaa Rechir. Nous allons commencer par nos blogueurs qui sont avec nous. Jamal Dahairi. Jamal Dahairi. Oui, bonjour. Bonsoir, monsieur Jamaldine. Bonjour, Jamal. Content de vous avoir avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Je remercie vos invités avant de les avoir entendus. Merci. Je vous remercie pour votre introduction bien détaillée. Merci beaucoup. Je vous écoute, monsieur Jamal. Alors, j'aimerais que vous nous disiez votre avis sur cette lettre des 19 personnalités au président de la République. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que, cet appel-là, il aurait dû être fait il y a longtemps. Il aurait dû être fait tout de suite après le quatrième mandat, mais je pense que au moins en retard que ne jamais être fait. Mais je crois que les gens de la CLTD ont fait un appel dans ce genre, une demande. Ils ont demandé à être reçus par le président, les gens de la CLTD. Les gens de la CLTD, excusez-moi, je ne crois pas beaucoup en ce groupe. Mis à part, je l'ai toujours dit sur ma page Facebook, mis à part M. Sofiane Djilali, les autres, ils sont issus, vraiment, ils sont pondus par l'État. C'est vraiment l'État qui les a pondus, même s'ils n'ont aucune relation avec l'État. Mais je crois que c'est être un peu injuste. Je m'excuse de devoir asséner une telle... Mais c'est votre avis, de toutes les façons. Oui, finis, M. Jamaldine. Oui. Comme je suis beaucoup nos prochains leaders, comme M. Ali Bnouari, comme Rachid Neguez, comme Sofiane Djilali, comme pas mal d'autres. Oui. Mais dans le groupe, je peux citer par exemple Ali Benflis. Ali Benflis, il se fait vieux dans un clan qui l'a fabriqué. Et c'est grâce à Ali Benflis qu'il y a l'interdiction totale de manifester à Alger. C'est lui qui a pondu cette loi. Et maintenant, ça lui tombe sur la tête, pour ne pas être grossier. Comme les partis islamistes, ils ont été mangés dans la main. Vous l'avez bien vu, vous, comme pas mal, ils ont été mangés dans la main de Saïd Bouteflika et son clan. Il reste Sofiane Djilali, que j'estime beaucoup, et qui fait pas mal de travail sur le terrain, mais il est en train de, je l'ai toujours dit, il est en train de traîner derrière lui un boulet qui est en train de le freiner. Un boulet, dommage, c'est un jeune, c'est un bâton comme il n'y a pas. Mais tant qu'il traîne, il part au nom de ces messieurs, ils auraient pu faire comme lui. Ils auraient pu, je sais pas, faire des rassemblements, faire des meetings, faire des au nom de la CNLTT. Mais eux, non, chacun, comme on dit en arabe, le gaf, le gaf, le wahdak, le aïno, le béro. Mais au sujet, Jamal, au sujet de cet appel, qui est le principal thème de notre émission d'aujourd'hui, d'après vous, est-ce que ces 19 personnalités se valent? Est-ce qu'elles ont toutes les mêmes motivations? Je vais vous donner un exemple. Parmi ces gens, il y a
d'authentiques révolutionnaires qu'on connaît très très bien, d'authentiques défenseurs des droits de l'homme, des gens qui ont la confiance du peuple algérien. Mais il y a aussi des gens qui ont été ministres à un moment où Bouteflika était déjà malade et qui n'ont rien dit tant qu'ils étaient aux affaires. Mais aujourd'hui, ils montent au créneau. Donc, on aimerait comprendre un peu. Oui, j'allais venir sur ça. Par exemple, comment elle s'appelle, celle qui vient de parler, comment elle s'appelle déjà ? Khalida Thomy. Khalida Thomy, déjà, je la mets de côté. Parce que quand elle y était, où est-ce qu'elle a fait passer les milliards qui sont passés par les mains, par la main ? Elle faisait des soirées qui comptaient des milliards. Et par contre, à côté, il y a des millions de gens qui crèvent la faim. Comme l'autre, le chef du PT, c'est ces gens-là qui pourrissent le groupe du 19. Mais sinon, est-ce qu'on ne peut pas dire que, quoi qu'il en soit, il ne faut jamais fermer les portes de la rémission, de la rédemption plutôt, et qu'à partir du moment où ils s'engagent dans une initiative saine en soi, qui a trop tardé par ailleurs, pourquoi ne pas les croire sur parole ? Pourquoi ne pas essayer de les soutenir malgré tout ? Non, justement, il n'y aura pas de changement, M. Djamaldine. Sinon, on en a, Allah Iberk, Masha'Allah, on en a à travers le monde, des super cracks. Il faut juste leur ouvrir des portes. Cela, c'est Hachak ou Hachak Adrak ou Hachak Al-Mustami'in, Kilb, Rabtol, Ozak, Touma. Là, ça m'a dit, excusez-moi, Jamal, merci, pas de ce genre de... Oui, mais il vaut mieux éviter ce genre de termes insultants, dégradants. Voilà. Je m'excuse, je retire. Merci. Ce que je voulais dire, c'est qu'elles resteront la même personne, parce que là, il y a l'envie de se montrer, de se battre, mais une fois qu'ils seront sur et qu'ils ont les rênes, ils redeviendront comme ils étaient. C'est pas possible. On peut pas faire du vieux avec du neuf. C'est impossible. C'est une règle. Restez avec nous, Jamal Dhairi. Nous essaierons de revenir à vous et aux autres blogueurs dans un moment. Nous avons Benchikou Mohamed avec nous. C'est Mohamed, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Mohamed Benchikou, cet appel lancé par ces 19 personnalités qui semblent être un tournant assez sérieux, y compris de gens qui étaient déjà au gouvernement et qui n'avaient rien dit par ailleurs lorsqu'ils étaient aux affaires, semble nous dire qu'ils ne croient plus que ce soit Bouteflika qui signe ses décrets, qui prend ses décisions, qui envoie ses messages écrits un peu partout, tout le temps, au sujet de qui révoque, qui limoge, qui fait jeter en prison, etc. Votre avis sur cette question, Mohamed Benchikou ? Non, c'est un peu grotesque, moi, je trouve. Je trouve l'initiative, surtout venant de la part de ceux qui ont siégé dans ce gouvernement, qui explique que... les décisions qui viennent d'être prises portent atteinte à la souveraineté nationale et donc ce n'est pas, ça ne porte pas la signature du président, c'est quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? On veut dire que Bouteflika ne porte pas atteinte à la souveraineté nationale. Depuis 16 ans, c'est ce qui se passe. Il n'y a rien de changé. On veut nous fabriquer un nouveau Bouteflika. Un Bouteflika qui est protecteur de la souveraineté nationale. Mais qui a fait la loi sur les hydrocarbures en 1999, puis 5 ans après ? Qui a voulu céder Naftal ? Qui a cédé Orascom ? Qui a préféré les Émirats aux Algériens ? Et je peux citer comme ça des exemples. Donc, le fait de dire que ce sont des actes antinationaux, ce n'est pas Bouteflika, ça, c'est inacceptable. Et
Et je me demande si nous ne sommes pas en présence d'une opération de relifting. C'est-à-dire de façon plus explicite. De façon plus explicite, je me demande si ce n'est pas pour requinquer un peu l'image de Bouteflika. Mis à part quelques-uns des signataires que je connais qui ne sont pas susceptibles d'être suspectés de... Mais quand on écoute Madame Khalida Msaoudi dire que je connais le président, il est pour, il aurait été contre le fait de brader la priorité nationale. Mais il a toujours fait ça. Elle était ministre quand il a fait ça. Elle était ministre quand il a eu l'affaire Chorafa. Elle était ministre quand il y a eu l'affaire Orascom. Elle était ministre quand il y a eu toutes les affaires où l'on a bradé l'intérêt. Je vais même vous dire mieux. Quand le matin avait fait une enquête sur Orascom, bien avant qu'éclate le scandale Orascom, elle a fait une contre-enquête par les radios de l'État pour démentir le matin et faire des enquêtes favorables à Orascom. Non. Mohamed Benchiko, en l'occurrence, il semble dire que même si c'est lui qui bradait déjà les richesses nationales et la souveraineté nationale, mais qu'en l'occurrence, oui, ce n'est plus lui qui brade la souveraineté nationale et les richesses nationales, mais que c'est quelqu'un d'autre qui le fait à sa place. Il semble dire que ce monsieur n'est plus en mesure de faire quoi que ce soit, ni de bien, ni de mal, et que des gens prennent des décisions en son nom. Donc ça ne change rien. Oui ? Ça ne change rien pour l'Algérien, que ce soit lui ou que ce soit quelqu'un d'autre. Nous avons affaire à un régime qui, de toutes les manières, est illégitime. Dans les faits, il est illégitime. Dans les faits, il est incompétent. Dans les faits, il n'a pas pour base la population. Dans les faits, il est rejeté. Donc, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, qu'est-ce que ça change pour l'Algérie ? Rien. Rien. Nous sommes dans une situation de non-droit. Restez avec nous, Mohamed Benchiko. Nous allons demander à nos amis blogueurs qui sont avec nous ce qu'ils pensent de ce que vous venez de nous dire. Samir Bellatesh Chicha, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Samir. Salam alaikum, Mezouf Lawan. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Je vous salue et je salue les invités et les téléspectateurs. Merci, Samir. Alors, Samir, vous venez d'écouter Mohamed Benchiko. Qu'est-ce que vous en pensez? J'étais en train d'écouter et à propos de ce que vient de dire M. Benchiko, ben, je le rejoins en grande partie dans ce qui a été dit parce que je fais partie aussi des gens qui croient que le système algérien, le régime algérien est en train de se... Ça bouillonne à l'intérieur pour des raisons en grande partie on les connaît, c'est-à-dire il y a une course pour la prise de pouvoir, pour changer les lignes, mise sur la rente, etc. Du coup, et surtout, il y a aussi une élection présidentielle qui arrive ou le remplacement de Bouteflika qui arrive, il peut arriver à n'importe quel moment ou au plus tard d'ici 2019. Et donc ça bouillonne à l'intérieur du régime et je pense aussi que cette démarche qu'on vient de voir dite des 19 personnalités, elle rentre dans ce jeu-là. On ne peut pas, à mon avis, lire la chose autrement que par cette guerre qu'il y a à l'intérieur du régime dans le cadre de cette course de reconfiguration, de prise de position, etc. Voilà. Mais Samir, à votre avis, beaucoup de gens pensent que, quelque part, un centre de décision a agité cette initiative qu'il a initiée
à travers. Mais le problème, c'est qu'au sein de ces signataires, il y a des gens qui sont au-dessus de tout soupçon. Je n'en citerai qu'un seul, il n'est pas le seul, le commandant Borga, que tous les Algériens connaissent comme étant une personnalité parfaitement intègre. Donc, ouais, à votre avis. Il a un certain âge. Oui. Et c'est un monsieur qui a un certain âge, d'après ce que je sais. Je ne sais pas, je pense qu'il faut poser la question aux personnes elles-mêmes qui sont signataires. Peut-être que chacun a ses raisons, ou là, ils ont tous la même raison. Je ne sais pas. Moi, je ne connais pas leur motivation. À titre personnel, ni les conditions dans lesquelles s'est produite un peu cette interpellation. Dans tous les cas, moi, je pense et je rejoins ceux qui disent qu'on ne peut pas la dire autrement que par cette course à l'intérieur du régime. Et moi, j'ai envie de dire, moi, si je peux me permettre de dire comme ça, du Kurtawa, militant que je suis, j'étais tout à l'heure dans une rencontre avec des militants algériens et tout, et aussi ils disent, ça ne nous concerne pas en fait, ça ne concerne pas le peuple algérien, c'est à l'intérieur du régime, ça se, en fait, on peut faire des suppositions, c'est-à-dire à qui profite cette démarche. Mais Samir, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un vrai tournant en matière de rééquilibrage des clans, si je peux dire? Est-ce qu'en l'occurrence... Non. Il n'y a pas une attaque directe et ciblée contre Saïd Bouteflika? C'est peut-être déterminant pour les gens qui sont à l'intérieur du régime, mais en quoi c'est déterminant pour nous qui sommes en bas de l'échelle, nous le peuple d'en bas à qui on ne demande absolument rien? C'est là où je rejoins les choses que disait M. Pontico tout à l'heure, où il disait que le système lui-même est illégitime. À partir du moment où un système illégitime est en train de bouillonner de l'intérieur, c'est leur problème, ce n'est pas le nôtre. La seule chose qui nous concerne, c'est que ces gens, ce système a failli à peu près, ou là, toutes les missions que devrait assumer ou assurer c'est le régime ou l'État en place, eux, ils ont tout raté. Là, ça nous concerne effectivement gravement. Mais que, et même que là, maintenant, ils préparent en fait un changement de président, etc. Ils changent quoi en fait en réalité? Ils changent la façade du système. Le vrai pouvoir, c'est un pouvoir qui occulte, les décisions sont prises dans des endroits qui n'ont rien à voir avec les institutions de l'État, encore moins avec les institutions représentatives du choix populaire. Et à partir de là, qu'est-ce que vous voulez que nous, il suffit d'écouter les jeunes sur les réseaux sociaux, hein, dès qu'ils ont vu cette initiative, ils se partagent. Pas le texte de cette initiative, il se partage la vidéo de Mme Toumi qui était en train de soutenir Bouteflika, c'est-à-dire les jeunes sont morts de rire quand ils voient ce genre de choses. Et d'un coup, faute parce qu'ils ne veulent pas pleurer, parce qu'il y a des quoi. Et du coup, voilà, moi je rejoins un peu cette ambiance populaire, cette ambiance un peu des gens de tous les jours autour de nous qui disent que le régime, ils peuvent se faire la course, ils peuvent changer de façade, hein, même s'ils dégagent Bouteflika et qu'ils ont mis quelqu'un d'autre. En quoi le régime a-t-il changé fondamentalement? Il ne change pas. On est volé par un tel, par la suite, on est volé par un autre tel. Restez avec nous, Samir. Mais je confirme avec vous que sur les réseaux sociaux, la conférence, la déclaration de Khalid Atoumi a suscité une très grande rigolade. Ça s'est quasiment tourné en ridicule. Je rappelle aussi que M. Boujem Arshir, l'un des 19 signataires, nous a donné son accord pour participer à cette émission, mais que maintenant nous n'arrivons pas à le joindre. Sinon, je reçois à présent Abdelghani Dorman, blogueur sur les réseaux sociaux, lui aussi, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Abdelghani. Est-ce que nous avons perdu Abdelghani? On l'a perdu, nous essayons de le reprendre. Je reviens à Jamal Dhaïri. Jamal Dhaïri. Jamal Dhaïri. Avec vous. Jamal, est-ce que vous partagez l'avis de Samir Hachicha qui dit être en accord sur une large partie de ce que déclarait Benchiko, comme quoi, de toutes les façons, cette initiative ne concerne pas les Algériens, que c'est de toutes les façons un régime illégitime, que X ou Y, ça ne change rien au fond du problème et qu'en fait, c'est autre chose qu'il faut changer. C'est vers d'autres initiatives autrement plus décisives qu'il faut aller. Effectivement, ils ont raison tous les deux. Je les ai suivis très très bien et je suis tout à fait d'accord avec eux.
que le ce qu'ils sont en train de faire là, c'est juste une répète qu'ils ont fait tous les jours. Tous les jours, c'est de la répète. Un président qui est là depuis, on va dire, ces trois dernières années, qu'on le voit que quand il y a un international ici pendant 30 secondes à la télévision, et qu'aujourd'hui, les soi-disant 19 personnes, sauf respect à quelques messieurs, ces 19 personnes, avec qui vont-ils parler? Mais avec qui? Si ce n'est avec Saïd ou avec le gros ventre ou avec... Mais avec qui, nous, on ne le voit pas nous parler, même pas deux minutes, pour nous, le peuple. Pour nous, on est quoi, nous, le peuple, hein? Si, et, comme vous avez tout à l'heure bien dit, avec Hollande, il a dit qu'il y a toute sa alacrité. Quelle alacrité qu'il a? C'est-à-dire, en marmottant deux ou trois mois après avoir été injecté et dopé comme une seringue pour tenir 30 secondes devant une caméra de télévision. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec Benchikou lorsqu'il dit que de toutes les façons, tout ça, ça ne veut rien dire, que c'est secondaire à la limite, que de toutes les façons, le vrai, c'est que ce régime est illégitime, qu'il faut aller au-delà de ces petits replâtrages, qu'il faut aller dans le fond des choses. Nous lui demanderons après, justement, ce qu'il envisage comme action en lui-même. Mais justement, M. Diamaldine, c'est ce que je suis en train de dire, c'est que tout ce qui se passe actuellement, tout ce qui s'est passé ces dernières années, tout est faux. Ils ont bâti leur château sur du sable. Tout est faux. Tout n'est pas légitime. Tout est illégitime là-dedans. Comment concevez-vous qu'un pays fonctionne avec un président absent? Je dis absent, il n'est pas là. Il est peut-être dans sa villa, mais il n'est pas là, il n'est pas sur Terre. Comment concevez-vous qu'un pays fonctionne? Chacun, il vous sort une loi du jour au lendemain, une loi. Rien n'est légitime là-dedans. Mais rien. L'autre, comment il s'appelle, le premier ministre, celle-là, il parle un langage de la rue. Vous prenez un gauche de 16 ans, il parle mieux que lui. Là, d'ailleurs, on ne le voit même pas. On ne le voit même pas président. Un pays qui n'a pas un rassemblement de ministres, regardez, en Europe, tous les mois, ils en ont des parlements. On voit les parlements. Purée, l'Algérie, elle est dotée de paraboles, elle voit. Le peuple est éveillé. Le peuple, c'est plus le peuple des années 70. C'est le peuple des années 2000. Restez avec nous, Jamal Dhaïri. Nous allons accueillir Abdelghani Dourmane avant de revenir à Mohamed Benchikou. Abdelghani Dourmane, merci d'être avec nous. Allô, Abdelghani. Assalam. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Abdelghani, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de ces 19 personnalités qui viennent d'interpeller le président, qui demandent d'être reçus pour vérifier par eux-mêmes qu'il est bien vivant, qu'il est bien là et qu'il a cette alacrité dont nous parle François Hollande? Je vous entends mal, si jamais le dis. Qu'est-ce que vous pensez de cette lettre des 19 personnalités? Oui. Bon, salam alaikum, Azul Fellaoun, bonjour, bonsoir plutôt. Moi je vois en cette démarche, bon, en soi, je n'ai rien contre personnellement, mais moi je voudrais plutôt parler d'un élément de la constitution de 19 personnalités. Oui. Bon. Déjà, et tant mieux, parce que ils sont pas homogènes, c'est bien. Parce qu'il y a des personnalités respectables, historiques, il y a des personnalités des droits de l'homme, il y a des ministres, des ex-ministres, Mardou Bialayhim, donc ils ne profitent plus de la GASA, donc ils veulent se repositionner. Bref, c'est le groupe de 19 personnalités est très hétérogène. Donc c'est bien. Bon. Oui, Abdelghani. Essayez de ne pas bouger si vous parlez depuis un portable, parce que on vous perd. Je vais essayer de revenir vers vous dans un moment. Mohamed Benchikou,
Et à un moment, vous nous disiez que de toutes les façons, c'est secondaire, ça n'a pas d'importance, que le vrai, c'est que ce régime est illégitime de toutes les façons et qu'il ne sert à rien de remplacer un tel par un autre un tel. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans ce cas ? C'est-à-dire, il faut revenir à la légitimité populaire. Il faut de vraies élections. Il faut de vraies élections. Parce qu'il y a eu deux grandes ruptures dans ce pays depuis 1962. Quand l'armée a pris de force le pouvoir en 1962, et quand elle a pris de force civile en 1962, et quand elle a rendu à un civil en 1999. Oui. Dans les deux cas, on a mis fin à un élan populaire. Aujourd'hui, il faut revenir à de vraies élections, faire un gouvernement qui émane de la volonté populaire, et à ce moment-là, on peut, si Saïd Bouteflika est élu, comme je vous entends dire ce Saïd Bouteflika, eh bien tant mieux. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, là, je viens d'apprendre il y a 5 minutes que Yahya vient de répondre au signataire de cette lettre. Oui. Ah bon, tiens, alors dites-nous. Alors il leur dit, il est critique. Il leur dit, vous. Alors que c'est lui qui a reçu la lettre. Il leur dit, oui, il est critique, il leur dit, vous doutez de la capacité du président de gérer le pays, ce n'est pas honorable de votre part. Il critique l'Uzahnoun nommément, que là vous vous agitez. Donc ça veut dire qu'il y a une réponse de non-recevoir. D'accord. Voilà. Mais sinon, Mohamed Benchikou, si demain il y a des élections, vous dites à la limite qu'il y a des élections, si Saïd passe, ben, s'il est vraiment élu, marhababé. Et si des islamistes sont élus et qu'ils passent ? La question des islamistes se pose. La question des islamistes se pose parce que c'est le régime qui a fabriqué cette situation qui fait que les islamistes, en exploitant Dieu comme si Dieu leur appartenait à eux seuls, en exploitant Dieu, en exploitant les mosquées, en exploitant la religion comme si la religion leur appartenait à eux seuls, en fait qu'ils exerçaient une influence sur la population. Parce que la population avait le choix entre Charybde et Silla. Elle a choisi l'un des deux. S'il y a une réelle société démocratique, avec ce régime qui ne cesse de calculer, de faire des faux calculs dans lequel il tombe tout le temps, s'il y a une réelle volonté démocratique, un réel environnement démocratique, sans ingérence de ce régime, sans ses calculs, sans ses financeries, sans ses filouteries, il n'y a pas de raison que ce soit un islamiste qui l'emporte. Mais par exemple, en Turquie, où c'est le cas, et ça s'est passé dans la transparence, ça s'est passé à peu près, ça n'a pas été dénoncé, y compris par les adversaires de l'AKP. Les islamistes ont réussi, il n'y a aucun souci, ils sont en train de passer. Parce qu'en Turquie, on a un socle sur lequel repose le pays. Ce socle est respecté par les islamistes, ceux qui se proclament comme laïcs, et ce socle, c'est la laïcité. C'est les trois principes, la République et la modernité. Et si demain il y a ce genre de consensus qui s'installe en Algérie où tout le monde accepte de rentrer dans un cadre,
où les droits humains, les droits de l'homme tels qu'universellement admis sont acceptés comme règle, comme cadre légitime d'où personne ne peut sortir. Vous pensez que ça serait faisable dans ce cas? Mais qu'est-ce qui nous a amené à cette situation d'aujourd'hui où 19 personnalités se demandent si Bouteflika est malade ou vivant ou est-ce qu'il est mort? Qu'est-ce qui nous a amené? C'est l'opacité, c'est le régime qui se reconduit depuis 62 à la force des bras. Donc il y a, j'ai entendu les blogueurs tout à l'heure en train de qui expriment le point de vue des réseaux sociaux et qui expriment le point de vue en fait général de la population. Ce qui se passe dans ce régime, ça ne les regarde plus. Ça ne les concerne plus. Donc, nous sommes en train d'assister à une opération de relifting entre eux qui ne changera rien du tout. D'abord, il y a une telle situation, on cache aux Algériens, que la situation est gravissime, qu'il n'y a plus de sous en caisse, et que probablement, puisqu'on vient de faire une annonce que les fonctionnaires ne seront plus, il n'y a plus d'embauche de fonctionnaires, et on va probablement annoncer dans les prochains jours la fin des subventions. On va annoncer l'impossibilité, sans doute, de régler certaines prestations sociales dans les retraites. Il se passe quelque chose de très grave, l'inquiétude gagne. Et ce pouvoir n'est pas en mesure, ce n'est pas en mesure de faire face à la situation. Alors comme me disent aujourd'hui, est-ce que nous ne serions jamais arrivés à cette situation si le pouvoir était un pouvoir légitime. Merci, Mohamed Benchikou. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Nous allons faire un dernier tour de micro pour nos amis blogueurs. Je leur demanderai d'être assez bref. Jamal Dhaïri, un dernier mot. Je vous remercie pour cette émission très enrichissante. Sauf que un appel au peuple. Moi, je fais un appel au peuple direct, à la basse couche comme moi, les simples citoyens. Un appel à être à l'écoute, d'écouter ceux qui leur parlent. Les gens comme vous, M. Jamaldine, et les gens comme il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux. Ce que je voulais dire, c'est hors sujet, c'est que on voudrait préparer... une grève générale, c'est le mot exact, une rébellion, une grève de ne pas sortir dans la rue, au lieu de manifester et d'être frappé et de saccager et casser, on reste chez soi. Une désobéissance civile. Et, au lieu d'aller dans les rues et allumer les voitures et casser les immeubles et casser les magasins, on fait l'inverse. On fait que chacun y prend sur lui, il ne va pas au travail, il n'ouvre pas son magasin ou son commerce, sauf les urgences comme la police, comme les pompiers, comme les hôpitaux, comme les trucs nécessaires. Merci Jamal, merci, je suis obligé de vous interrompre. Samir Belatesh, Samir Hchicha, un dernier mot. Juste pour finir, à propos du régime, en fait, à propos de notre problématique, nous, les Algériens, face à ce régime, c'est il s'agit de faire un changement radical, un changement pacifique, mais un changement radical de ce système. Il ne s'agit pas de gesticuler sur les questions des façades de présidence d'un tel, sur des noms, etc. C'est le fonctionnement du système, ses méthodes et ses hommes aussi qui doivent changer. Et pour le moment, à mon avis, on a une classe politique officielle, entre guillemets, qui essaye d'animer une scène politique qui n'en est pas une en réalité. Voilà. Merci Samir. Abdelghani Dorman, un dernier mot. Abdelghani.
Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend, Abdelhanid, tfaddal. Bon, bon, tout à l'heure, je suis intervenu, mais je ne sais pas est-ce que... On vous a entendu, on vous a entendu. Ah, très bien. Donc, je ne vais pas nous répéter. Dernier mot, je crois que, dans cette démarche ne va pas aboutir, parce qu'elle dérange le sérail. Moi, je pense que toutes les mois, enfin, les 19 personnes ont des objectifs différents, et quoi qu'il en soit, au final, ne vont pas converger avec les calculs des vrais décideurs à la présidence. Voilà, donc ça va être une fin de non-recevoir, et ça continue comme ça jusqu'à ce qu'il y ait une initiative plus consistante et plus avec bien sûr avec l'opposition, avec tout le personnel politique du pays. Et merci Abdelghani. Voilà. Merci Abdelghani. Avant de vous quitter, je rappelle donc 19 personnalités diversement appréciées. Certaines sont très aimées, certains parmi les signataires sont très aimés des Algériens, très respectés, très considérés, d'autres un peu moins, pour ne pas en dire plus. Monsieur Ben Chikou vient nous apprendre que c'est Ouyahia qui a répondu, non pas Bouteflika, pour fustiger, stigmatiser ces gens, les traiter de tous les noms d'oiseaux. De leur demander comment ils peuvent douter de la bonne santé du président, que c'est bien lui qui signe, qui prend les décisions, etc. Nous en saurons plus. Je présume que ça ne va pas s'arrêter là. En attendant, je remercie Ben Chikou Mohamed d'avoir été avec nous. Je suis désolé que Boujemaa Rachir, l'un des signataires, n'ait pas répondu à nos appels. Je remercie Jamal Dhaïri, Samir Bellatesh d'Ihchicha, et Abdelghani Dourman, et je vous remercie particulièrement, vous, d'avoir assisté à cette émission, de l'avoir suivie. Merci beaucoup. Qawal akhir. Salama.